Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno. On se retrouve ici pour l'ultime partie de Chrono Trigger. Du coup, la dernière fois, on avait eu la dernière arme de Chrono. On avait eu la dernière arme de Magus. On avait eu la dernière arme de Lucas. On avait fait toutes les quêtes. On avait fait la quête de Robo aussi, pour avoir son arme ultime et tout ça. Et du coup, là, on va se diriger vers la fin du jeu. Alors, avant, je voulais tester de rebattre l'autre espèce de fumier, là. Là, maintenant, il est trop balèze. Ah, le garçon aux cheveux en pointe, ça va? Où étais-tu passé? Le nouveau compagnon est vraiment incroyable. Il a un pouvoir de l'élément de ténèbres incomparable. Je n'ai rien à lui apprendre. Qu'y a-t-il? Vous voulez vous mesurer à moi? Oui. Ah, je meurs d'impatience. Tout, 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 tout. Ouf! Ah, c'est génial! On va revoir Frog. Au revoir tout le monde, je pense. Ouais, c'est ça, hein. Et salut, hein. Ah, pas encore mort. Bon, faut l'attaquer avec la magie. Je vous ai vaincu. On va recommencer. Fait mal hein, Foiros, chez maître en Foiros. On va tous crever. Salut, hein. Voilà, c'est fini. Bon bah, on aura essayé, hein. En fait, si je pourrais l'avoir, mais j'ai la flemme. On va aller attaquer directement le truc. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer avec Ayla, je pense. Enfin, peut-être pas en fait. Je pourrais y aller avec lui. Enfin, j'aurais pas de heal, c'est ça le problème. En fait, je voudrais y aller avec Magus, mais. Ce que je vais faire, je vais y aller avec Marle au départ, et si ça merde, on va monter à Époque. Le an 99. Quoi? Alors, viens. J'ai longtemps attendu ce moment. On va fuir, hein, parce que c'est pas là que je voulais aller. On va aller,
Genre au présent? C'est mieux, hein. Non. Allons-y. Ah si, j'aurais peut-être dû faire un truc avant. Un truc que j'aurais dû faire avant. C'était d'acheter des trucs. Genre ça, on va en acheter pas mal. Des tentes, on va en racheter 3 histoire 2. Et panacées, ça, on va en racheter. Ah ben. Par contre, les potions, je sais pas où c'est le mieux. Peut-être à l'époque de Zil, peut-être? Il faut surtout acheter, c'est genre ça, les éthers, quoi. Éthers à mort. Voilà. Allez, salut. Hein. Retournons à l'an 1000. On va regarder les équipements aussi, alors de tout le monde là. Paf. Paf. Voilà, on est bien. Imbécile, vous osez encore vous opposer à moi. Je suis désormais immortel, je vivrai pour l'éternité aux côtés de Lavos, le dieu qui ronge lentement la planète en son sein. Et après avoir accumulé son énergie pendant encore 999 siècles, il détruira la planète et régnera sur le monde entier. Le rêve obscur est un pont qui me relie au dieu Lavos, c'est un sanctuaire qui m'octroie un pouvoir limité. Aussi longtemps que le grand Lavos régnera, vos rêves d'avenir seront sans espoir.
Tadadam. On va faire un petit luminaire. Hein. Voilà, c'est fini. Il y a 900 points d'expérience, 50 points de technique. En brume noire. Tout, 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 tout. Allez, monsieur. Voilà. Oh, les gargouilles de Dark Souls. Ah non, c'est contre Trigger. Ah. Et ça le soigne. C'est génial. On va faire des tours de soins. C'est vrai que je suis con, je peux soigner avec Chrono et Bernard. Il a fallu qu'elle meure, quoi. Fallu qu'elle meure. Un petit luminaire, histoire de...
On va taper une petite sauvegarde. Ouais, on va faire un petit temple déjà. Une petite sauvegarde. Et allons-y gaiement. Allez, salut! En vrai, pour cette partie-là, ça aurait été mieux d'avoir Frog à la place de Marl. Ah là, ça commence à rater, c'est chiant. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de PV. Les ennemis inutiles quand même. Les ennemis inutiles quoi. Utiliser les techniques. Mais barrez-vous. En vrai, je vais me barrer, hein. Ils sont chiants ces trucs. En vrai, je pourrais virer un truc avec Magus. Pas mal en vrai. Mmh.
Et c'est parti. En vrai, je serais tenté de prendre Frog quand même. J'ai envie de réfléchir, mais est-ce qu'on peut changer au moins? Ouais, je vais prendre Frog, il est top plus fort. Même si la magie, c'est pas ça. Bon, moi, j'ai du heal, quoi. Faut que je change un truc avec Frog. Par contre, voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un item. Il le protège contre les états normaux parce que c'est relou. Rien à part ouais. Ce qui est chiant, c'est que ça lui donne un peu plus de coups. Magus, il a quoi? Et c'est pas dit que ouais, c'est pas dit que voilà, c'est ça. Ah, c'est chiant. On voit le châle de volonté, c'est mieux. La confusion, c'est qu'est-ce que.
Je voulais faire un truc. Ah oui, c'était voir si j'avais pas encore des capsules de force, c'est toujours de conneries. J'ai deux capsules de force. Hop. Non, non, pas vous. Oh, il fuit. Galère, c'est monstre. C'est Stremont. Salut, hein. Ah, les pires monstres, quoi. Le méga élixir, ça c'est pas mal. Pas de coffre aussi. 300 000 gil, on s'en fout. Oula, ils prennent rien du tout. Allez, salut hein. Il me donne des super éthers, c'est pas mal. On va profiter de ce tour pour se soigner. Thank you.
On va tout tuer, hein. C'est l'XP, hein. Après, je crois que j'ai tout, hein, avec... Il n'y aura pas de technique l'autre. Ah, les trucs chiants. Mais non, c'est pas lui que je voulais attaquer. J'ai pas y touché une fois, hein, si, avec Marle. Cassez-vous. Forcément, le coffre était de l'autre côté. Un saut magique. Alors, je sais pas ce que ça sert, le saut magique. Le saut magique. Force magique, def magique plus 5, c'est pas mal. Quand il y en a marre, il y a luminaire, quoi. Ouais, j'aurais tellement fait plus de dégâts si je l'aurais tapé normalement. Hop. Un chapeau abri. Ouf. Ouais, j'ai déjà ça. Non, mais ça peut être bien pour Frog, ça, du coup. Hop. Pas de sauvegarde. Méga élixir. Une armure Nova, parfait. Alors, du coup, on va sauvegarder là, hein. On va peut-être prendre une petite tente. Un méga élixir. Un casque vitesse. Ça, c'est cool, par contre. En vrai, ça pourrait être bien pour Frog. Ouais, Frog...
Hop. Ah, mais elle a déjà un chapeau à briller, d'accord. Qu'allez-vous faire? Faire des achats. Ah, ils vendent des Ethermax. Oyo, des personnes dans un endroit pareil, et trois en plus, il vous reste encore beaucoup de chemin à faire, alors reposez-vous ici. Toutefois, si vous voulez vous réveiller de ce rêve, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Reste ici. Ça se vend pas très bien ici. Oh, je te le dis. On est parti, hein? Ça sent le boss? Ça sentit le boss? Oh oui, un gros boss. Oh, gros boss stylé. Ah non, c'est juste un mob. Ok. Tiens. Ouf, par contre, il fait mal. Il fait mal le petit salopio là. Ouais, si vous voulez. Mais salut, hein. Un luminaire sa mère, on va faire un luminaire sa mère, hein. Mais salut, oh, on a rien. Ah, d'accord. Une cape rêveur. Ah ouais, par contre, elle est à plein de... Oh non, mais vous, vous êtes chiants, les man.
Oh, tue-le d'un coup. Et faire foutre, je te chiasse. Ça, les mobs comme ça qui prennent pas de coups, ça vient sûrement des mecs de chez Dragon Quest. Ça c'est horrible encore. Truc de merde. Bon alors vous là. Ouragan. Allez, faut mourir monsieur maintenant. Égalissir, ça c'est très bien. Continuons. C'est vrai que c'est long ce truc. Un saut de force. Alors personne peut le mettre le saut de force. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Ayla peut l'avoir ce truc. Allez, hein. Allez. Mettons, je mets ça à chrono. Voilà. Je vais voir sur Frog, ça fait quoi? Après, ça doit pas être très bien avec lui, mais bon. Qu'est-ce qu'ils veulent, les guignols?
Rien, bon bah s'il vient pas. Ah, je le disais aussi. Ah mais une capsule de magie, tiens. Alors en principe je devrais être à fond, je crois, avec chrono vitesse. Ouais, c'est ça. Ah bah une capsule de vitesse, encore. Oula, il y a du monde. Oula, puis ils sont moches. Oh non, pas ça. On n'en veut pas d'eux, ils sont chiants. Capsule de vitesse encore. Bon, on va utiliser luminaire ce coup-ci. Et salut. Méga élixir. Ça, on aime bien ça, nous, les méga élixirs. Oh là, cette arnaque. Bon, c'est pas grave. En vrai, non, on va pas soigner, par contre, on va sauvegarder. Pa
Ah merde, il fait rien. Bon, bah, on va soigner tout le monde du coup. Il m'aspire. Alors toi, c'est bien le truc bien relou aussi, ça, les boss de fin de JRPG. En général, quand t'as besoin de magie, tu bouffes ta mana. Aïe, aïe, aïe. Je sais ce qu'on va lui faire. Bon, il a rien pris quand même, loul. On va retourner en arrière. On va se prendre une petite tente. Parce qu'on est sécure, on est des gens polis. Comme dirait le Hooper, on respecte le jeu. On retourne pas à un endroit où on est déjà passé, en fait. Pas ça l'histoire là. Bon, c'est chiant. Foudre 2, ça devrait le faire, je pense. Bon, il donne des super éthers, et ça c'est cool. Encore vous? On veut plus vous voir, on vous a dit. Remarque, j'aurais peut-être dû faire une attaque combinée là. J'aurais touché les deux. On va faire. Oh, c'est chiant. On va soigner Marl déjà.
J'ai rien en attaque combinée qui touche les deux en fait. C'est chiant. C'est ça qui est appréciable dans Chrono Trigger, c'est qu'on n'est pas obligé de farmer comme un goré pour faire des dégâts. Capsule de vitesse. Je regarde dans les stats. 13. Corinne et Frog sera à fond en vitesse. Hein, en fait. On va faire du soin manuel en fait. On va sauvegarder. Ah bah alors lui, il est pas relou. Un truc qui se fait soigner, ok.
On va faire des attaques comme ça en fait, éviter de soigner l'autre. Genre un coup violent sur lui, ça fait quoi? Ah, ça fait rien. Comment le tuer ce truc là? Oh ben voilà. Une robe blanche. Un élixir. Du coup, la robe blanche, ça doit pas faire grand chose, ça doit pas être mieux de ce qu'elle a marre là. Ah, d'accord, on peut pas l'utiliser plus. Ah, veste blanche. Ah, d'accord, ça doit être d'accord. C'est qui se pointe? Ah, une caca de Lavos. On va tester une technique. Ouais, c'est rentable. C'est rentable de le faire. Tout.
On a combien? 1h07. On va prendre une petite atteinte. Voilà. On va sauvegarder. On voit pas Magus, hein. Les rêves encore irréalisés, les joies et les peines que vous aurez pu ressentir, tout ce qui apparaît à votre avenir à partir. Partir à jamais, pour vous, il n'y aura pas de lendemain. Le rêve obscur traverse les dimensions temporelles, attendant patiemment l'éveil de Labos. Votre destinée vous amène ici, et ici vous reposerez à jamais en paix, à moins de me vaincre et d'arrêter le rêve obscur, vous n'avez pas de lendemain. Venez, enfants de l'homme, je vous invite à pénétrer dans le sommeil de la fosse, dans l'éternité, dans l'éternel rêve obscur. What? Pute. En vrai, on va voir combien j'y fais avec l'attaque combinée, là. Attends, par contre, Marre, elle est longue du cul. Toutou. Ouh, elle a pris cher. Ouh, elle a pris très très cher. Vol de MP, la pute. Tiens, bouffe.
C'est trop lourd, madame. Ah, y'en a qui a crevé. Ah, c'est chiant. Oh, la buse de son sort de chiasse. Ah, c'est relou. Oh, les casse-couilles, sans déconner, elle est relou. Je ne peux pas déployer mon pouvoir ici. Attendez, je viens d'avoir une bonne idée. Je vais vous jeter dans le réceptacle sacré. Vous devrez être heureux. Vous allez devenir une partie de ce vaisseau, une partie de moi, une partie du grand Lavous. C'est type 1. Ah, les sorts augmentent son attaque, ok. Pa. Alors si je fais glacier par exemple. C'est ce que prendre cher là, non? Bon, ça c'est cool. Ça c'est pas mal.
Espèce de verre insignifiant. Je suis la reine qui règnera éternellement sur ce monde aux côtés du Grand Laos. Vous oseriez vous opposer à moi? Repens-toi de ton orgueil dans l'au-delà. Ah, prends 12 quoi. Ouf. C'est qu'elle fait mal, dis donc. Cette ville saloperie. Ok, zéro. Mouah, seigneur. C'est génial. Marre à mettre trop de temps à voir ces trucs. On va mourir.
La reine de Zil, quoi. Un bouffe. Bouffe. Retarde l'échéance, cette salope. Crap, en tout quoi, la carse. J'espère que ça va pas attaquer les mains. Bouffe. Fais-moi la maline là. Comment osez-vous? Dieu Lavos, octroie-moi ta force. Une heure 25 de vidéo. Enfin, le dieu Lavos va sortir de son sommeil devant lui. Vous n'êtes que des nouveau-nés. Moi, je vivrai éternellement à ses côtés. Lavos entre en mode attaque. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non, on va sauvegarder. On va se soigner. Petit luminaire comme ça d'entrée. Bon, il y en a un qui a rien pris. Enfin, on se bat contre Lavos. Change son mode attaque.
Il nous refait tous les boss du jeu, c'est ça? Ah lui, il craignait la magie, c'est vrai. On va faire un petit luminaire. Vous allez nous faire un glacier les deux là. Ah non, c'est bon. Ah, truc chiant. Ah. Oh le bâtard, le bâtard. Je suis luminaire, ça fait rien. Ah bah si, il est mort. Ah, Magus. Ah. Oh, lui, il va être relou par contre. Il va être relou.
Ah, ça soigne. Ah oui, il n'y a pas un truc comme ça à attaquer, attends. Alors si je fais O2. Ouais, non, c'est pas ça. Métis feu maintenant. On va faire un coup confit pour voir. On va le bourrer, hein. Parce que d'être long cette histoire là. Prends rien un peu à ce boss. Oula. Voilà, ça commence à parler. Voilà, j'ai plus assez de MP. Lui, ça va être tranquille. Lui il prend rien par contre, c'est relou. C'est relou quoi.
Ah, c'est chiant, vraiment. Ce Bosch Roche quand même à la fin. On va pas en mettre rapidité à Marle. Profiter pour soigner Frog passage. Ouais, quoique j'aurais pu utiliser Crapaud à la con. Hein. Ah non, c'est qui a plus de. Ah, c'est Marle. Ah, je crois que je me suis gouré d'objets. Dans un sens, c'est pas plus mal. Ça y est, c'est les vrais bagarres. On va faire avant d'attaquer comme un gros sac. Là, ce qu'on peut faire avec Frog, c'est de faire des tours de trucs avec Chrono, mettre une petite lapisse. Marle va nous faire un petit rapidité sur elle là. Voilà. Et maintenant on bourre. Thank you.
Ah oui, hein, c'était fatigant. Nous avons réussi. Ça sera donc jamais fini. Il s'avère que cette grande carapace était seulement une armure. Notre quête s'achèvera en allant dedans. Nous devons détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, là, je serai un gros bâtard, je quitterai, mais non, on a presque 2 heures de vidéo, je crois que ça va être le plus long vidéo d'un let's play, quoi. Je me rappelais plus que c'était si long, quoi. Hop. La fin du rêve. C'est la hausse. Combat à mes côtés, Cyrus. Ceci sera notre ultime bataille. Je suis celle. Ah non, je suis la hausse. Ah, pardon. Éclat sinistre, porte des enfers ouvertes. Par contre, il fait mal. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est genre faire ça, faire ça, faire ça. Oh, la musique épique! Bouclier. Petit bouclier. On va faire un petit lapis, histoire de. Elle va se remettre un petit bouclier. Tu. On va essayer de faire un truc de ouf. Alors, quoi que ça devrait marcher. Hein. Tu. Tu. Ouais, c'est ça. Tout.
crâne est quand même confus. La tête d'une soignée, 666 Marl, 666 PV quoi. Ah c'est bon. On va quand même faire un tour de heal. On va faire un gros tour de heal même. Oh putain, faut que ça tombe sur Marl, quoi. J'ai perdu du temps aussi. Mettre rapidité à main. Flamme agressive.
C'est pas encore fini, je crois. Bientôt 2 heures de vidéo, les enfants. C'est fini? Faut encore attaquer. Ouais, c'est ça, il y a Minicell, quoi. Serait-il possible qu'il possède la force de tous les êtres vivants de la planète? Es-tu en train de dire que nous avons vécu jusqu'ici pour lui? Dites-moi que je rêve. Nous ne vivons pas pour satisfaire tes besoins à la bourse. C'est notre planète, celle de Xeno, Lynn, Donsan et ainsi que tout le monde. La planète de tous les êtres vivants. Tu as vécu trop longtemps aux dépens des habitants de cette planète. Il est grand temps de payer. Coucou, c'est les huissiers. Voilà, musique de ouf. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Ouf! Oh, il m'a fait mal le bâtard! Putain, mais les dégâts qu'il fait. Ah, d'accord. Bah, bonne soirée. On va voir lui s'il prend cher sur le... Oui, il prend cher.
Allez, faut que ça meure, hein, ce truc. Voilà, c'est chiant. Donc là, on va faire un tour pour se soigner. Pa, pa, pa. Distorsion. Lui, son bras. Il veut de la mana. Lui, il veut de la mana. Paf! Et ça fait des chocs à pic. Il régénère les deux, ok. Ouf. Ah merde, elle a plus son sa rapidité, c'est chiant. Ta ta ta. On va le bourrer là. Faut que je fasse quand même un tour de rap pour la rapidité de truc. Donc, ce qu'on va faire, on va le bourrer, mais autrement. Mais voilà! Je crois que c'est fini, on en a fini.
Xeno. 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 Tu comptes dormir toute la journée? Ça suffit, réveille-toi. Votre recours en grâce a été rejeté. Nous devons donc vous exécuter. What? Comment ça? Je t'ai tant cherché, Xeno-kun. Tu as entraîné ma fille partout. Papa, non! Xeno n'a rien fait. Ma fille dit que Xeno a été un parfait gentleman, mais êtes-vous d'accord, chancelier? Non, les agissements de Xeno et de ses compagnons ont sérieusement affecté le royaume. Chancelier, comment pouvez-vous dire ça? Laissez-moi vous expliquer pour que vous compreniez. Si je n'étais pas au château, c'est parce que j'avais une raison. À vrai dire, nous devions sauver le futur, non? Hein? Ils ont sauvé le futur, ils nous ont redonné espoir. Ils ont vaincu l'armée de Magus et ramené la paix dans le royaume en l'an 600. Exeno et amis vaincre sans rien. Que faites-vous tous ici? Lucas, c'est toi qui les a amenés ici, c'est ça? Élément de la famille royale de gardiens des générations passées et futures m'ont tout raconté à propos de l'importante mission dont vous avez été chargé. Les générations passées et futures de la famille royale de gardiens, vous voulez dire que toutes ces personnes sont mes ancêtres et mes descendants? J'ai honte. Moi qui ne pensais qu'à moi, aveuglé par la paix, alors que j'aurais dû me soucier de l'avenir du royaume et de la planète. Bien, organisons ce soir une parade de victoire pour célébrer les héros qui ont sauvé le monde. Allez, Mardia, c'est le dernier soir de la foire millénaire. Rejoins tes amis et amuse-toi toutes tes forces. Aïe, aïe, aïe. La fin de Chrono Trigger. Qui l'eût cru? Ah, Xeno, celui qui a sauvé le monde. Célébrons ensemble le retour de la princesse Mardia, qui est revenue saine et sauve du château, ainsi que la prospérité de Gardia. C'est la Moonlight Parade. Tout, 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 tout. Ça, par contre, la fin de Chrono Trigger est quand même assez stylée. Bon, très classique, mais très stylée. Quel jeu, quand même, hein? Oh lolo! Une OST de ouf quand même aussi. Même si, comme je l'avais dit, je crois que je l'avais dit sur mon let's play d'FF6, je crois. Pour moi, la meilleure OST de Mitsuda, ça reste Xenogears. Même si celle de Chrono Trigger est quand même très très cool. Je demande si nous sommes pas rentrés dans l'avènement d'une nouvelle ère durant laquelle les katanas n'auront plus leur place. Peut-être que mon rôle en tant que Bosch, le forgeron, prend fin, mais quand je regarde le ciel étoilé, ça n'a plus d'importance. Papa, papa, papa. Elle a maman de Chrono, ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies sauvé le futur, mais quand même, j'aurais bien aimé que tu passes plus de temps à la maison. C'est embêtant si la personne qui est censée s'occuper du chat n'est pas là pour le faire.
Comment ça? Ta 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 ta. Un petit côté Seiken, je trouve, dans cette fin. Tout, 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 tout. Ah, le moment triste. Bien, tout le monde, le moment est venu de nous séparer. Chacun d'entre nous doit retourner à sa propre époque. La mort de Labos a affaibli la puissance des portails. Nous devons faire nos adieux avant que le portail ne se ferme. Oh, tout le monde s'en va? Xeno, être fort. Marle, être forte aussi. Ayla, s'être beaucoup amusé. Tu es mon ancêtre très lointain. Alors, vous ferez mieux d'avoir des enfants en bonne santé, sinon je pourrais avoir des ennuis. Hé, pas de problème. Ayla, pleine d'énergie. Marle, d'accord. Hein, quoi? Que veux-tu dire par là? Kino, être idiot, nous partir maintenant. Quel caractère exubérant! Quand je pense qu'ils sont peut-être nos ancêtres, je ne peux pas les négliger. Venez, votre majesté, la reine Lin-sama vous attend. Entrons. Oh, la musique de fin est triste. Enfin, c'est le thème principal, mais en rangé différemment. Froxan! De longs mots d'adieu ne sont point nécessaires. Tu as raison, et puis les actions parlent mieux que les mots. Ouais, excellent. C'est le genre de fin digne d'un conte de fées où une personne peut récupérer son apparence d'origine grâce au baiser d'une jolie princesse. Tu vas partir à la recherche de Sarah? Lucas, je continuerai de vivre avec un entrain dans le futur. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucas? Tu ne dis pas au revoir à Robo? Tout compte fait, elle s'en est rendue compte. Rendue compte de quoi? Robo est né dans un futur en ruine. Cependant, quand nous avons battu Labos, nous avons changé l'histoire. En d'autres termes, dans ce nouveau futur, il est possible que Robo... Ah, mais non, ne t'inquiète pas, je suis certain que j'existe aussi dans le nouveau futur. Tu n'es qu'un idiot, ne fais pas semblant de ne rien ressentir, reste honnête envers toi-même. Si tu es triste, sois triste, sans quoi, en agissant de cette façon, ça rend les choses encore plus tristes. C'est toi, Lika, qui m'a enseigné de tels sentiments de sympathie. Je te remercie beaucoup. Les larmes ne te vont pas, Lucas. Je suis certaine que notre ami Robo continuera toujours d'exister dans le nouveau futur. Adieu. Oups, ça doit être de l'huile qui brouille les capteurs de mes yeux. Quelle aventure quand même, Chrono Trigger. Tu te souviens de la discussion que nous avons eue? Celle à propos du fait que l'on voit notre vie défiler juste avant de mourir. On dirait que nous avons sauvé cette entité. Oui, je le sens moi aussi, son souffle. Voyager à travers le temps, c'est un fardeau trop lourd à porter. Nous ferions peut-être mieux de détruire Époque. Même si cela signifie que nous ne pourrons plus aller voir nos amis. Non, pas par là. Regarde, Zeno, voilà ce qui arrive quand on s'occupe pas de ces animaux. Ton chat s'est échappé parce que tu l'as pas assez nourri.
Eh, reviens! C'est terrible, Zeno, le portail ne s'ouvrira plus jamais, qu'allons-nous faire? On repart! On dirait qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller à la recherche. À leur recherche. À leur recherche, mais le portail est déjà. Lucas, ne me dis pas que. Nous avons une machine à voyager dans le temps. princesse Mardiasama, vous étiez donc ici, le regard regarde votre présence. Je suis si heureux maintenant qu'il n'y a plus de raison pour moi que tu t'en ailles de loin. Loin de moi. Princesse Maria, je vais t'offrir un cadeau afin de marquer ce grand jour dans l'histoire. La cloche. Regarde comme elle est belle, c'est la cloche de Mardia. Elle possède un timbre merveilleux. Mardia, tu pourrais me donner un coup de main, mais où sont-ils passés? Quelqu'un à l'aide? Papa, je suis désolé de te dire ça, mais je peux pas rester tranquillement ici sans rien faire. Allez, salut, hein. Votre Majesté, je suis arrivé à temps, puis-je déclencher le feu d'artifice? Non, Taban, je suis désolé, ce n'est pas le moment. L'autre, il dit non, il déclenche quand même. Ah, la belle fin. Et voilà, générique de fin de Chrono Trigger. Que dire de ce jeu? Incroyable. Akira Toriyama, forcément. Yuji Horii, Hirobu Sakaguchi, Mitsudaya, Nobuo Uematsu. Que des cadors finalement sur ce jeu. Non, c'était quand même incroyable. Ce jeu était quand même incroyable à l'époque. Lui, FF6, en termes de RPG, c'est. Je regardais, écoutez-moi cette musique de fou. Bon, alors, par contre, pour le coup, je préfère la fin d'FF6. Pour pas vous cacher, la fin avec Kafka, la musique. Tout est goldé, quoi. Puis le scénario est peut-être un poil plus mature, enfin, un peu plus. Un peu moins manichéen, j'ai envie de dire. Enfin, c'est assez bizarre à vous expliquer, mais je trouve le jeu mieux construit dans son scénar. Mais après, les quêtes secondaires de Chrono Trigger sont plutôt bien. Il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Mais alors, elles sont bien, mais alors, comme j'avais dit, quand j'ai dit là sur les dernières vidéos, des fois pour trouver des trucs, quand même, c'est quand même compliqué. Entre les voyages dans le temps, tout ça. Par contre, le jeu, il est hyper beau, quoi. Il est magnifique. Rien à dire. Il a un côté très, très piccolo dans Dragon Ball. Magus en fait. On dit Vegeta, mais c'est plus Piccolo en fait. Le Piccolo Dragon Ball, les vieux Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Bon, là on voit toute la puissance de la Super NES avec le mode 7. Et ouais, vous avez vu, il y a Tetsuya Nomura qui a popé là. Hein, vous voyez qu'on croyait pas, hein, il est dedans quand même. Assez incroyable, hein, ce jeu. Disons que je voulais le faire pour les 1 an de la chaîne. Bon, j'ai mis un peu de temps, je vous accorderai. Je sais pas quand j'ai publié la première vidéo, mais ouais, j'ai mis un peu de temps avant de le finir. Mais voilà, c'est fini. Chrono Trigger est fini. 2h20 de vidéo. Et ça, si c'est pas beau. Bon, c'est vrai que ça peut prêter à sourire maintenant, mais ça, c'était vachement bien fait quand même pour l'époque. Enfin, c'était hyper beau, quoi. Tu.
Non, quel grand jeu. C'est un grand jeu, Chrono Trigger. Il n'y a pas un tantinet. Même si Namuro n'aime pas ce jeu, il est quand même incroyable. Et je comprends pas pourquoi il n'aime pas trop, en vrai. Il est vrai qu'il n'y a pas de farm. Par contre, c'est vrai que ça, c'est appréciable dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de farm. Franchement, c'est le RPG à conseiller pour quelqu'un qui connaît pas trop les RPG tour par tour, un peu à l'ancienne. Moi, je lui conseille Chrono Trigger direct. C'est pas straignant au niveau du. On progresse bien, en fait. Il n'y a pas de moment où on bloque vraiment. À part quelques boss un peu roteurs et encore. Sinon, vous avez bien vu, là, dès que j'ai débloqué l'arme ultime de Chrono, c'était la foire. Puis qu'on a les dernières magies. C'est quand même très fort. Lavos, il a quand même pas fait long feu. Le boss de fin est pas terrible, en soi. Même si, en vrai, il est pas. Zeal était plus chiante, en fait. La reine de Zeal était plus chiante, là, dans sa première forme, là. À nous mettre un 1 PV. Et la fin. De Chrono Trigger. Ils ont même traduit le texte de fin. Donc. Alors, il y a plusieurs fins différentes. Hein. Chrono Trigger. Je vais pas toutes les faire. Je crois qu'on a eu la meilleure fin, là. Et encore, je suis pas sûr parce que j'ai pas sauvé la mère de Lucas. Mais en tout cas, c'était plutôt bien. En tout cas, j'espère que cette épopée vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. Alors, je vous dis pas ce que c'est. Il y a eu un vote, comme vous le savez. Je mettrai sans doute le vote pendant la diffusion de cette partie-là, pour être sûr, vraiment, encore. Derniers instants. Voilà. En tout cas, j'espère que cette épopée vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.